Vous évoquez les indécis, 16% le taux d'abstention en Vendée. Il y a encore une réserve de voix pour le mouvement En Marche en Vendée? Ah oui, il y a une réserve de voix, indiscutablement. Je pense que le score d'Emmanuel Macron, il peut très largement être amplifié. Voilà, il est arrivé très largement en tête dans beaucoup de communes, ce qui était là aussi inespéré, mais qui est lié bien évidemment au score global qu'il a fait de 26%. Donc nous, on va continuer à aller à la rencontre des gens, faire du porte-à-porte dans nombre de communes vendéennes. Vous allez voir les couleurs d'En Marche. Et donc, on va jusqu'au dernier moment essayer de convaincre, continuer à convaincre pour amener la victoire à Emmanuel Macron.